est une société qui fait de la robotique industrielle pour l'industrie. Et aujourd'hui, on vient sur le projet sur le site de France Agrimaire pour représenter un projet de séparation de la vendange au niveau des grandes maisons, des grands châteaux bordelais. Car c'est un bras robotisé qui va venir via un système de caméra détecter, enlever tout ce qui est élément dit négatif afin de garantir les raisins les plus mûrs et de meilleure qualité. Et le projet, l'objet, c'est en utilisant les technologies Big Data, Internet des objets et de simulation, de pouvoir concevoir des nouveaux modes de culture dans les serres, et on applique ces modes de culture au cas de la tomate. Et c'est que ce projet, c'est une première brique pour mettre un nouveau mode de culture de serre qui serait rapproché des villes, sur lequel on pourrait produire en contrôlant à la fois la quantité et la qualité du produit, proche des agglomérations, donc qui répond fortement non seulement à un problème de compétitivité de la filière maraîchère, mais aussi à un besoin sociétal de produits frais et de bonne qualité. On a présenté ça sur dans les projets d'avenir, enfin sur la partie investissement d'avenir, et ce projet-là, en fait, le format du projet, le format de l'appel à projet, en fait, est vraiment très intéressant sur les PME, tant sur la rapidité de dépôt du dossier et de validation du dossier, que sur la rapidité des dispositions des fonds. Ça nous permet d'être très compétitifs et rapidement prêts pour pouvoir développer des projets innovants.